Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse Pokémon Go. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui a été tournée avant l'arrivée des nouveaux Pokémon. C'est d'ailleurs la vidéo, vous allez voir, qui m'a permis de terminer en fait la chasse des tout premiers Pokémon de la 3G. Car à la fin de cette vidéo, je vais vous faire les dernières évolutions qui me manquaient. Allez, c'est parti. Et on a trouvé un Togetic sauvage. Voilà, le Pokémon le plus compliqué à attraper en sauvage. Donc là, on prend pas de risque. On met la Super Bay, j'en ai plein. Et on va à l'Hyper Ball. Ah mais non, c'est abusé. Bah, avec la Beframbi dorée, du coup, on le chope du premier coup. C'est complètement abusé. Comment j'ai galéré avant pour attraper le seul que j'avais trouvé. Bon, voilà, un petit Togetic sauvage. On va se le tester quand même. Bon, il n'est pas terrible. Bon, on a trouvé quelques Pokémon intéressants. On va commencer par le Barpo. Alors, il est PC10, mais c'est pas grave, on est là pour faire des bonbons. Ok, ça c'est bien. Ok. On va se prendre cet hypocéan. Ah, dommage. Est-ce que je fais des bons becs? Ouais, allez. J'aime pas du tout tirer dans les coins. Il y a beaucoup de pluie là. Je sais pas si vous entendez. Il y a un Wilmer juste à côté. On ne capte pas, je crois. Ah non, on n'a pas le Wilmer. Bon, il a suffi que je dise ça pour qu'il attrape. Moi, bon, je l'ai attrapé vite. Bon, il n'a pas de... Il n'a pas de gros PC, mais c'est pas grave. On va faire des bons. Hein. On va essayer de se faire un deuxième Wilmer. Hein. Ok, trouver un petit mini Draco, c'est rare, très très rare, donc on va essayer de l'attraper avec une baie ananas, on va essayer de faire des bonbons, on n'a jamais assez de Dracolos. Je sais pas combien j'en suis, mais c'est pas grave, on continue, toujours essayer d'en avoir un meilleur. Et voilà, le mini Draco est attrapé, j'ai cru voir un Linéon également. Eh oui, une petite évolution de 3G qu'on trouve de temps en temps. Ah, vous avez vu, c'est le fameux bug. Enfin, je sais pas si c'est un bug. Il a gardé la Super Bowl là, vu que j'étais en Super Bowl juste avant. Je sais pas si ça restera. Il est pas content. Bon, bah voilà. On a attrapé le Linéon. On va se faire un Germignon. Pourquoi pas? Ils sont toujours là, les Germignons. L'évolution est toujours intéressante. Notamment en ce moment, hein, pour le Kyogre. Pokémon Plante. Le Meganium, c'est utile. Pour ceux qui en ont pas. Ok. On est tombé sur un Pokémon qu'on n'a pas encore. Bon, on pouvait le faire, mais... Mais ce qui veut dire que ce Pokémon... Il va nous permettre d'avoir les 125 bonbons.
Faut qu'on l'attrape. J'ai peut-être fait une connerie en mettant une baie ananas. Est-ce qu'on a absolument besoin de ce Pokémon? Ah yes! Mola Flémite! Ah ouais, c'est sûr. Bon, c'est dommage, on fait du coup une entrée de Pokédex sans off chance. 120 off bonbons, on va pouvoir faire le Mola Flémite. Il me manque plus que. Alors, où je tourne? Un. Écrapince. Et j'aurais eu tous les Pokémon, à part les deux bébés. Pareil qu'ils sont là, moi je connais pas beaucoup de monde qui les ont. Donc là, super content, on a attrapé. Et on va pouvoir faire un Mona Flamite, enfin. Alors, on a deux petits Pokémon intéressants sur ce Pokéstop. On a déjà ce Hérissandre. Oh là là. Ah, j'y vais à l'hyper parce qu'en fait, sur le compte de Dengar, c'était très pénible à le choper. Donc, je sais qu'il est chiant à avoir. J'ai pas besoin de bonbons sur ce genre de. Sur le hérisson. Ouais. Je voudrais bien attraper le Grunipio qui est juste là. Je crois qu'on est buggé. Ça faisait longtemps. Ah non, ah non, on est encore là. Ah, il est pas rentré, dis donc. Ah, voilà, le petit Grunipio. Les Zigzatons, on en voit. Hein. Par ce temps-là, c'est vraiment le roucoule. Et puis nous, on a chopé un gros raid. Oh. Dites-moi, il est assez conséquent. Moi, je suis désolé pour la caméra. Il fait presque nuit déjà, ça commence. Bon, voilà. Erreur de réseau. Oula! Bon, on l'attrape quand même. Excellent, un petit gros raid. On va essayer de le tester parce qu'il est quand même bien. Hey, c'est une merveille! Allez, Community Day, c'est parti! À peine 11h et moi j'étais en train de faire des courses. Et boum, on tombe sur le parking. Et ben sur un Pikachu. Donc on va essayer d'avoir cette fameuse attaque surf. Alors je sais pas si tous les Pikachu ont cette attaque. Je ne sais pas si on. En évoluant ce Pikachu, on aura un Raichu avec l'attaque surf. Enfin bref, normalement non, parce que ça ne suit pas les attaques. Alors, on va essayer de se le choper. Tac. Alors il paraît qu'on peut même en trouver. Comme il y a énormément de Pikachu pendant ces 3 heures de jeu, il paraît qu'on peut même en trouver du coup plus facilement des Shiny. Donc il faut essayer d'en trouver des Shiny. Pourquoi pas, ça serait. Moi j'ai pas le temps de jouer. Hein. Voilà. Et donc. Bang! Éclair surf. Donc je sais pas s'ils les ont tous. Donc on s'élance le favorise. Hey, c'est bon, on a trouvé un shiny. C'est un shiny. Alors je le prends pour les. Pour YouTube. Ah, c'est cool. Petit shiny. Nickel. Allez, on change de spot. Ah, il y en a un autre. Mais il n'est pas shiny. Non. Allez, comme promis, je vais vous faire une petite évolution de Barloche. On va profiter du double XP plus notre œuf chance.
Voilà, donc le Barloche, on en avait déjà, donc celui-là ne va pas rentrer au Pokédex. Ok, le Carvana, lui par contre, eh ben, on va le faire, le Sharpedo. Je suis en train de prendre des Pikachu en même temps, ouais. Sur le compte de Dengar 22. Voilà, petite entrée au Pokédex, on va faire du point là. Nickel. Et on continue la petite séance d'évolution avec un petit écrapince, enfin. Lui, il nous aura bien fait courir. Hein. Ça a été le plus compliqué. Je suis en train de finir la 3G là. J'ai fait Sharpedo. Là, on fait les crapins. Nickel. Qu'est-ce qu'on devait faire également? Ah, le Nénupio. Ah, le Nénupio qui nous a fait courir sous la pluie. Hein. Ça fait plaisir de faire toutes ces évolutions là. Merci le double XP. Il nous reste plus que 14 minutes. Je m'y suis pris un peu tard. Nickel. Allez, petite entrée au Pokédex. Et on va faire l'évolution finale. Génial. C'est excellent. C'est excellent. Alors, on va faire notre Wailord. Le pareil cool après, ouais. On va faire le pareil cool après. Je crois que. Je ne veux pas dire de bêtises, je me demande si ça sera pas le dernier, le pareil cool. Ah, le fameux. La fameuse baleine Wailord. Allez, ça rentre au Pokédex également. Oh, c'est génial, on remplit là. Allez, dernière évolution, c'est notre pareil cool. Bon, la première évolution, bah, on l'a déjà, parce qu'on l'a trouvé dans la nature hier. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Bah, de toute façon, en même temps, j'en avais besoin pour évoluer, donc j'étais obligé. Et on va faire enfin le Mona Flemit. Après, il nous manquera plus que les deux bébés de la 3G. Donc là, c'est plus de la chasse. Ouais, il y en a deux. Ok. Et hey, Azuril. Voilà le Mona Flemit. Et allez, pour finir cette petite séance d'évolution, donc je m'excuse, j'ai été obligé de couper la caméra car je filme très très tôt. On va se faire le Barpo que j'ai enfin fini. J'ai fait mes 20 km. Donc il faut que je change de copain. Donc je préfère le faire. Voilà ma Pokémon qui est absolument magnifique. Ça, c'est génial. Magnifique. Voilà. Donc on a. On peut dire qu'on a terminé. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc comme vous l'avez compris, avant l'arrivée des 23 nouveaux Pokémon, il ne me manquait plus que les deux bébés Pokémon de la 3G. Donc ces 23 nouveaux Pokémon, pour moi, ils tombent à point nommé. C'est vraiment génial. Je repars à la chasse. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.